Mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé. Décidément, ça commence à s'accélérer. Je vois que nos rencontres sont de plus en plus nombreuses et fructueuses. Mais aujourd'hui, elle est assez particulière. Notre rencontre pour parler d'une industrie en pleine transformation. Et comme son nom l'indique, cette industrie 4.0 vient succéder aux trois industries que nous avons, trois révolutions, qui ont été présentées à l'instant. Celles de la vapeur, l'électrique et l'électronique se sont succédées, chacune apportant au monde une nouvelle façon de fonctionner, d'évoluer, de produire et de vivre. L'idée globale de cette nouvelle révolution, c'est qu'elle est toute particulière. Elle change de paradigme et l'un des éléments essentiels est désormais cette vitesse de transformation qui jusqu'à présent était totalement maîtrisée par l'homme. Et désormais, j'ai comme l'impression, je crois que ce n'est qu'une impression, que l'homme court derrière cette transformation qui l'entoure. Alors, d'aucuns parlent de disruptive, d'autres sortent des termes encore plus complexes pour impressionner, mais le vécu du quotidien nous montre en effet que cette révolution dans laquelle nous sommes engagés est désormais très particulière. Le point essentiel pour moi, c'est que les nations qui ne vont pas siéger à ce banquet seront a fortiori sur le menu. Alors c'est soit on est invité au banquet, soit on sera mangé, puisqu'on sera sur le menu comme un des plats qui seront présentés. Alors les modes de consommation changent, les chaînes de production mondiale se sont métamorphosées profondément. On perçoit des transformations importantes qui se sont opérées. Encore une fois, la Chine qui fabriquait à bas coût, elle impose désormais la technologie. Dans un passé tout récent, on considérait le produit chinois sans donner de qualificatif additionnel, ça voulait tout dire. On disait ça, c'est un tournevis chinois. Désormais, on peut dire un tournevis chinois veut dire un tournevis de qualité. Donc il y a eu des transformations de nations qui sont une espèce de tectonique des plaques qui s'est produite. Certains qui étaient tout petits en industrialisation, en qualité, en technologie, sont montés très fortement. On peut citer la Chine. D'autres ont perdu en compétences et en compétitivité. Eh bien, cette industrie 4.0, qui j'ai peur qu'elle soit un peu, tellement on en parle, qu'elle soit galvaudée. Vous savez, l'adéquation formation-emploi, c'est un terme qu'on a tellement utilisé, qu'on n'a pas mis en œuvre, qui a fini par fatiguer tout le monde, à tel point que les gens ont parfois levé le pied, ont lâché prise. Il ne faudrait pas que ça se produise au niveau de cette transformation industrielle. Donc voici un concept qui reste encore flou pour certains et bien concret pour ceux qui le mettent en œuvre au quotidien. Il me semble que c'est une opportunité formidable comme toutes les transformations. Lorsque le téléphone portable est arrivé, beaucoup de gens, comme moi, avaient l'illusion de pouvoir s'en passer. Et très vite, on a été rattrapé par la réalité, parce que ça, c'était presque avant Jésus-Christ, c'est-à-dire très très longtemps. Et j'étais à Casablanca, responsable d'une compagnie d'assurance, et j'avais des collaborateurs qui allaient à la corbeille le matin, au niveau de la bourse, revenaient nous dire qu'il y avait tant d'actions à vendre, à acheter, etc. On leur donnait des instructions, et le lendemain, ils partaient exécuter des instructions. Est arrivé le fameux téléphone portable, la valise, enfin, je ne reviendrai pas sur cela. Et puis, je me suis dit, on ne va pas commencer à se trimballer avec une valise à la main. C'est quand même... Et c'était lourd, je ne sais pas si vous en souvenez. C'était une marque que je ne citerai pas, qui était Ericsson, n'est-ce pas ?
que tout le monde a connu, et pour les moins jeunes, on l'a tous transporté. Eh bien, je m'étais refusé d'avoir cet engin dans mon entourage, mais très rapidement, j'ai découvert que mes compétiteurs, mes concurrents, avaient un avantage majeur sur moi, et que le lendemain, quand mon collaborateur allait pour acheter les actions que je lui avais demandé d'acheter la veille, elles étaient déjà prises, parce que son confrère avait appelé son patron sur son téléphone, voilà, et avait traité l'opération. Je ne sais pas pourquoi, mais très vite, j'ai découvert un amour pour ce téléphone portable lourd, et on s'est tous mis à cette technologie rapidement. Alors l'arrivée de cette technologie, certains ont considéré qu'elle était disruptive, mais la réalité, c'est qu'elle a été extrêmement bénéfique à bien des pays, bien des contrées. Tous les pays qui avaient pris du retard sur le filaire, dont le Maroc, par rapport à d'autres pays qui étaient bien plus avancés, qui avaient des moyens d'investir dans leur infrastructure, eh bien, nous avons tous fait un saut directement de rien, ou presque rien, au portable. Hein, je parle devant des spécialistes qui ont été des dirigeants à la NRT pendant des années, connaissent bien cette technologie. Eh bien, ce saut a été fait dans bien des pays, passant de, comme je vous disais, rien, à 1, 2, 3 téléphones chacun. Alors, cette industrie 4.0 est en train d'apporter quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec ce téléphone portable, avec des transformations en profondeur. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner les détails de tout ce que ça peut apporter, mais je vais quand même me faire le plaisir de répéter des petites choses qui ont été dites ou qui seront encore dites au courant de la journée. Et comme j'ai le micro, j'en profite pour vous parler de choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, le plan d'accélération industrielle, cette industrie. Son objectif était de changer de rythme, mais dans une même industrie. On était dans une industrie qui n'était pas encore disruptive, il n'y avait pas ces transformations aussi lourdes. Et ce qu'il fallait, c'est de passer à une production faible, à une production plus importante. C'est de passer à des absences de locomotives d'écosystèmes, à des écosystèmes qui étaient bâtis autour de locomotives. Eh bien, peu ou prou, les résultats ont été obtenus parce que les opérateurs se sont pris au jeu. D'abord, ils étaient évidemment un peu sur une position d'expectative. Et quand ils ont constaté que ça pouvait donner des résultats, eh bien, ça a été très rapide et ça a été rattrapé. Sur l'industrie 4.0, ça sera probablement un peu différent. Alors, l'objectif du plan d'accélération industrielle était aussi de densifier le tissu national industriel. Et nous avons, comme je vous dis, convaincu quelques locomotives et elles ont donné cet élan. Et derrière, on a retrouvé du capital national qui est venu se greffer à du capital international en tant que fournisseur, partenaire à tous les niveaux. C'est intéressant. Pas encore suffisant, bien sûr, mais la tendance est bien partie. Alors, nous avons mis en place des incitations. Parce qu'il fallait, je ne sais pas comment on appelle ça, la carotte. Il fallait faire en sorte qu'on puisse être intéressant, attractif. Mais on n'a pas eu besoin de sortir nos chéquiers fortement, comme ont pu le faire certains compétiteurs, certains concurrents en tout cas. On vous donne des terrains gratuits, on vous construit des usines gratuites, on vous fait des transformations, on vous donne des subventions. Ça n'a pas été le cas du Maroc. On n'a pas eu à le faire parce que nous avons la chance d'avoir plusieurs avantages autres que ceux que nos concurrents pouvaient proposer, dont 56 accords, dont 56 accords de libre-échange que on peut décrier d'un côté et dont on pourrait bénéficier de l'autre. Donc ça dépend de comment on se positionne et ça dépend de qui prend la plume pour écrire. Est-ce que l'appréciation est de dire j'ai une plateforme où je peux produire et exporter. Renault produit au Maroc, achète au Maroc des pièces réalisées et les exporte à 78 pays dans le monde à partir de la plateforme Maroc, grâce aussi à ces accords de libre-échange.
L'industrie a connu quelques évolutions. Évidemment, vous connaissez ce qui s'est passé dans le secteur automobile. Dans le secteur automobile, qui est devenu rapidement premier exportateur, il a enclenché, emboîté le pas, créé 116 000 emplois. L'automobile a créé 116 000 emplois de qualité, avec un taux d'intégration de 60%, dont on ne rêvait pas il n'y a pas très longtemps. Donc cette compétition entre les locomotives de constructeurs nous a permis, quand on avait le premier, on ne pouvait rien négocier. On était déjà heureux d'avoir un premier constructeur au Maroc. Quand on a le deuxième, déjà on se sent un peu mieux. On a l'impression qu'on peut attirer plus d'opérateurs. Donc on négocie mieux avec le deuxième. Et chemin faisant, quand on a négocié avec le deuxième, on est autorisé à revenir vers le premier pour lui dire « Écoutez, on a mal négocié, pourquoi on négocierait pas quelque chose de plus ?» C'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait. Et donc ça a donné des résultats. Aujourd'hui, vous avez PSA avec plus de 1500 ingénieurs, je ne vous donnerai pas des chiffres exacts. On parle de 2800. Hein, donc je ne vous ai rien dit. Comme on est qu'entre nous, donc on peut donner des chiffres délirants. Ils ont dépassé les 2800 sur un engagement en 2020, 2500 ingénieurs pour la recherche et développement. Et l'aéronautique, monsieur le Président, vous êtes des gens sympathiques, donc à chaque fois que je dis quelque chose, vous me contredisez. On avait fixé ensemble, et je pensais que vous étiez des gens de parole, qu'on allait faire 32% de taux d'intégration en 2020. Ma grande déception, c'est que vous avez été à 38% en 2018. Ça veut dire qu'on n'a pas mis la barre assez haut, c'est bien ce que j'ai compris. Donc nous avons changé avec un accord unilatéral, passant à 42% au lieu de 32% horizon 2020. Et vous avez eu la gentillesse d'accepter cet objectif. Parce que j'imagine que vous l'avez déjà réalisé, c'est bien ça. Alors, ce plan d'accélération industrielle pour le secteur industriel, qui était fait de 2014 à 2020, avec un objectif de création d'emplois de 500 000 emplois, a créé en 2018, 31-12-2018, 405 000 emplois et des poussières. Et de janvier à juin, 66 000 emplois additionnels. Donc, si on fait même moins bien que l'aéronautique, on dépassera les objectifs en 2019, de 2020, des 500 000. Et ce sont des chiffres qui ont été validés avec les bases de données CNSS. Ce sont les chiffres CNSS, plus exactement. Donc aujourd'hui, le Maroc se positionne sur des industries de pointe, comme les matériaux composites, par exemple, où très peu de pays sont partis dans des choses aussi techniques. Aujourd'hui, le Maroc fabrique des pièces de réacteurs d'avions, des pièces chaudes. À force de vous fréquenter, j'ai fini par apprendre des petites choses. C'est la partie la plus complexe du réacteur. Donc je parle souvent de l'automobile et de l'aéronautique, alors que d'autres secteurs marchent aussi, on en parlera. Parce que quand je veux expliquer à quelqu'un qu'au Maroc, on est capable de faire des choses de très haut niveau, si je vous explique qu'on fait du textile, vous allez me dire oui, d'accord, et alors? Pour que le débat soit clos, je vous dis qu'on a des ingénieurs en recherche et développement au niveau de l'aéronautique, que nous fabriquons des pièces chaudes de réacteurs. C'est fini. La discussion sur vous êtes capable, pas capable, on passe à un autre chapitre. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quel est mon intérêt en tant qu'investisseur de faire? Donc ne vous étonnez pas à ce que je sorte mes cartouches de temps en temps, parlant de l'automobile, on fait des moteurs. On a des usines de PSA qui sont de dernière génération, qui font des moteurs, des voitures diesel, essence, hybride et électrique. Hein, c'est la nouvelle génération d'usines. Donc tout ça nous permet de positionner le Maroc pour dire voilà ce que nous faisons. Mais est-ce que c'est tout ce que nous faisons? Non. Aujourd'hui, le Maroc a bien avancé, par exemple, au niveau du secteur du textile. Le textile qui piquait du nez pendant des années est aujourd'hui en plein essor. Et j'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, d'assister à la foire du textile à Marrakech. Et pour la première fois dans l'histoire à mon échelle, d'une quarantaine d'années où je connais la mythe,
et l'ensemble, c'est l'association des gens du textile et de l'habillement. C'est la première fois où je rencontre des gens de la MIT qui me disent « Alhamdoulilah, tout va bien ». Donc, j'ai pris une autre position, c'est de dire « Je me lance un défi, je vais leur faire dire que ça ne va pas ». Et donc, j'ai fait le tour des stands en essayant de pousser pour dire « Non, 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 ça va très bien ». Donc, il faudrait que je fasse un audit, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. Donc, mais la réalité, c'est que le secteur du textile a renoué avec la croissance, avec l'export, et que ça se passe plutôt bien. La qualité de nos ressources humaines. À chaque fois que vous parlez avec un opérateur, nous avons, au niveau de l'aéronautique encore, je prends, comme ça on ne discute plus de cette histoire de nos ressources humaines, nous avons assisté ensemble à l'inauguration de cette entreprise canadienne GGI. J'en vois tellement que j'ai de la difficulté à retenir tous les noms. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en faisant la visite, il y avait un président de cette boîte qui me dit « C'est la première fois qu'on sort de d'Amérique du Nord, on a fait des usines aux États-Unis et au Canada. » Et on n'imaginait pas qu'on pouvait trouver ce type de ressources et cette qualité de ressources au Maroc. Nous avons des entreprises qui sont dans des choses extrêmement techniques, très pointues. Ça semble simple. La peinture d'un avion, ce qu'ils appellent le traitement de surface aussi, pour qu'il n'y ait pas de corrosion, c'est extrêmement technique. Eh bien aujourd'hui, on arrive à avoir des entreprises au Maroc qui font ce type de choses et des entreprises à capitaux marocains dans des secteurs aussi pointus que cela. Alors, tout ça, c'est très bien. Je vous ai parlé de l'histoire et de la géographie passée. Cette industrie 4.0, moi, j'appelle ça le PAI 2.0. On est juste à deux. C'est qu'il faut que ce plan d'accélération industrielle s'adapte à ce monde en pleine mouvance. Pour nous, cela passera inéluctablement par une implication plus forte des régions, monsieur le vice-président. Ça se fera avec les régions ou ça ne se fera pas. Parce que nous avons fait des stratégies centrales. Nous sommes au Maroc dans une démarche de déconcentration, de régionalisation avancée, et la volonté est de descendre l'ensemble des actions des ministères vers les régions. Alors, ce qui a rendu possible l'industrialisation de Casablanca, il y a bien longtemps, de Tanger, de Kenitra, d'Agadir, tout récemment, de Fès, doit le faire pour les autres régions du Maroc. Rachidia, Oujdan, Aïoun et le reste. Et toutes les régions du Maroc peuvent aspirer à faire partie de cette industrialisation et chacun à sa façon. Nous travaillons dans le plan d'accélération industrielle 2.0 pour définir les corridors. Nous avons, Madame la Directrice Générale, nous sommes ravis de vous avoir avec nous, la formation professionnelle. Sans elle, on ne fait rien. Hein, donc je l'applaudis. Je parlais un instant des ressources humaines en disant que, voilà, très bien. Et donc cette industrie 2.0 doit se mettre au goût du jour et accompagner son temps. Il faut adapter nos modes de production pour converger plus vite. Nos modes de production, on peut avoir l'illusion qu'il faut tout jeter. Parce que j'entends ça de temps en temps. Notre industrie est obsolète, il faut maintenant tout ce qui vient, etc. Très bien. En effet, on dit qu'une partie des emplois qui existent aujourd'hui disparaîtront, seront automatisés, dont acte. On dit que 60% des emplois qui existeront en 2030 ne sont pas encore inventés. On ne les connaît pas. 60% des emplois de 2030 n'existent pas encore. C'est super pour nous faire peur, hein, on nous dit des choses. C'est pas pour nous faire peur, c'est juste pour nous réveiller. C'est pas des choses que j'invente, je les reprends, je les ai pas validées, de grands experts mondiaux, et j'ose espérer qu'ils sont à peu près dans la vérité. Il n'y a personne qui peut certifier ce chiffre-là, hein, des 60% dans 30 ans, ou voilà, non, un peu moins quand même. 2030, c'est dans pas longtemps, dans une dizaine d'années. Et donc de dire que dans une dizaine d'années, 60% des emplois que nous connaissons, ou qui viendront, qui seront opérationnels, ne sont pas encore connus. Bon, le seul moyen, c'est qu'il faut s'assurer que notre capital humain, qui est un des capitaux immatériels les plus importants, les plus fondamentaux, qu'on puisse l'accompagner pour avoir des résultats tangibles.
Et sans cette formation de ce capital humain, de l'accompagner pour qu'il puisse être up-to-date, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous mettrons toute notre énergie pour accompagner tout un chacun dans ce changement. Tout projet qui viendra, mais qui sera sérieux, on essaiera d'éliminer les projets les moins sérieux, mais on prendra en main et on accompagnera tous les projets sérieux parce que notre pays en a vraiment besoin. Alors, cette transformation exige une proximité plus importante entre les industriels et les universités. Il y a encore, dans notre pays, une distance trop importante entre les universités et les industriels. Dans beaucoup de pays, c'est une relation tellement forte qu'elle est pratiquement imbriquée. Chez nous, la recherche et développement dans les universités à l'international sont financées par les industriels. À bon entendeur, salut. Sortez vos chéquiers. Pour gagner de l'argent, on s'est bien compris. Alors, il faut aussi une proximité accrue entre les producteurs et les centres de formation. C'est ce que nous avons fait avec l'Office de la formation professionnelle et les opérateurs. Nous avons mis ensemble ces deux structures qui se regardaient en chien de faïence il y a quelques années, qui aujourd'hui travaillent la main dans la main et avec des résultats de taux d'intégration invraisemblables. C'est vrai. Plan d'accélération industrielle 1.0. Je ne peux parler que de ce qui est dans le rétroviseur, en chiffres. Nous avons, par exemple, à Kenitra, dans l'IFMIA, un taux d'intégration de 96%. 96%. C'est des chiffres importants, et je vous les souligne, parce que quand on dit que les ressources humaines, on n'a pas l'adéquation, etc., je dis aux opérateurs, vous avez la chance aujourd'hui de travailler la main dans la main avec l'OFPPT, de designer exactement vos besoins, de participer au recrutement des personnes que vous voulez former, de participer au programme de formation et aux examens. Et quand on fait ça, vous avez 96% de taux d'intégration. Ça veut dire qu'on ne forme pas pour rien, que l'État ne forme pas pour rien. Et ça veut dire qu'il y a de la ressource humaine à votre disposition. Franchement, ça vaut la peine parce que vous avez des ressources qui sont qualitatives. Alors l'expérience a été faite avec l'ESIT, elle a été faite avec l'ISMALA, elle a été faite avec l'IFMIA, elle a été faite avec l'ensemble des structures automobiles et qui ont donné des résultats assez impressionnants. Alors, maintenant, pour le futur, j'ai un peu regardé le rétroviseur sur la formation, mais pour le futur, il faut intégrer en toute sérénité. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. L'industrie 4.0, ce n'est pas des choses qui se font toutes seules. Il y a de l'être humain derrière, il y a de l'être humain dedans à tous les niveaux. Donc il s'agira d'y intégrer la réalité augmentée. Lorsque vous avez un technicien et entre vous et la machine, vous pouvez lui projeter en 3D tous les gestes qu'il doit faire, vous avez un technicien qui devient automatiquement technicien supérieur. Il gagne en qualité parce que vous intégrez ce type de... J'ai visité Boeing il y a quelques années et j'ai vu le début du commencement de ces choses-là qui s'intégraient dans l'usine à Seattle. Ça vous impressionne 3 minutes, pas plus. Après 3 minutes, vous avez l'impression de faire partie de la famille, que ce 3D qui est entre vous et la machine a toujours existé. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait nous effrayer pour qu'on soit en décalage par rapport à tout cela. Donc il s'agira en effet de préparer nos ressources humaines à concevoir et à travailler avec de nouveaux matériaux et avec une nouvelle vision de l'avenir. C'est ça qui est important. Nous avons la chance d'avoir démontré la capacité de travailler avec des matériaux composites. Et on voit aujourd'hui ce que des opérateurs internationaux et nationaux font avec l'entreprise Excel, qui est implantée au Maroc, américaine, qui est leader dans le matériau composite. Et autour d'Excel, nous avons mis un écosystème du matériau composite. Alors ça aussi, ça impressionne. Je ne suis pas le seul à être impressionné. Même les investisseurs, quand je leur dis « nous avons un écosystème matériaux composites », ils sont un peu surpris. Donc je suis obligé, pour qu'ils me croient, de les envoyer chez vous, voir sur le terrain que ça existe.
Donc je disais cette vision où le transport et la logistique aérien seront différents. Moi, j'en suis intimement convaincu, mais je ne vais pas vous raconter mes délires parce que vous allez dire que je suis encore hors piste. Donc, mais une fois que je vous ai dit ça, je vais vous le raconter. Mais je ne vous ai rien dit. Hein. Je suis convaincu que le monde va changer encore plus que ce qu'on nous raconte. Aujourd'hui, on a besoin de ports. Pourquoi un port marchand ? C'est pour amarrer les bateaux. Et si le bateau restait un peu plus loin et que la marchandise pouvait voler et venir chez moi, est-ce que j'ai besoin du même port? La marchandise, elle est dans un conteneur. Elle peut être récupérée par un drone ou des drones, décoller, atterrir sur le rivage. C'est de la science-fiction. Ok. Tant que je délire, je vais aller jusqu'au bout. Je reviens sur le portable qui nous a fait faire des sauts phénoménaux. J'ai testé sur des grands constructeurs japonais, sur le président d'un grand constructeur japonais, mon délire. Et je vais vous dire comme il s'est évanoui, donc je pense que vous avez le droit de vous évanouir, il n'y a pas de problème. Et il trouvait que c'était pas... Bon, oui, c'est peut-être pas mal, on va y penser. On était ensemble face à cette dans son bureau et on s'est approché de la vitre et j'ai vu il y avait plein de ponts, etc. Je dis, vous savez, l'évolution, il faut que vous vous réveillez vous aussi, y compris les Japonais, puisque vous n'êtes pas seul, parce que le transport fera un changement pas qu'électrique. Je suis convaincu dans mes délires, donc c'est pas de la réalité, qu'un jour une partie du transport des marchandises et des êtres humains se fera par drone. Et qu'on verra des gens avec des petits outils voler de part et d'autre. Alors je dis ça à ce président qui est un peu dubitatif, vous êtes mignon, mais bon. Est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un voler avec un drone? Il me dit non, ça n'existe pas. Je tape police Dubaï et je monte la vidéo. Avec un policier, donc je vous invite à le faire, à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que j'imagine que vous avez tous vu ça, un policier qui vole avec un drone, sa moto est une moto qui vole. Donc si on le fait aujourd'hui et que ça marche, pourquoi on ne va pas plus loin? Et que ce drone-là puisse faire du transport quand vous circulez en ville, et vous voulez faire Casaraba, vous commandez sur votre portable le drone avec la capacité qu'il faut, qui vient se clipser sur votre véhicule et qui vous transporte. Une fois qu'il vous a ramené là-bas, vous n'avez pas de feu rouge, vous n'avez pas de, n'est-ce pas, de circulation. C'est bizarre, je vois des sourires dans la salle. Vous aussi, vous connaissez les bouchons? Et donc, vous dépose et vient vous chercher. C'est de la science-fiction. Imaginons que cette science-fiction fonctionne. Vous imaginez le nombre de ponts, de routes, etc., qui vont diminuer? Et comment on peut exploiter plus? Il m'a dit, mais c'est pour le Japon, c'est incroyable. Vous imaginez tout ce qu'on gagnerait? Nous, on est une petite île. Etc. Bon. Donc, ça peut aller très loin. Quand on raconte des choses comme ça, je vous dis, on peut faire des... Revenons, réatterrissons hein, au sol. J'arrête mes délires. C'est pour vous dire, ça ne doit pas nous effrayer. La vie est ainsi faite. Elle va changer et ne vous inquiétez pas. Nos enfants vont être adaptés complètement au monde qui leur... quand on parlait de ce que Uber fait et autres, pour nous, c'était des choses farfelues. Les objets connectés, demain, vous allez appeler un véhicule, il viendra sans chauffeur, évidemment. Ça existe déjà aujourd'hui. Hein. Il viendra sans chauffeur, il vous attendra, il vous déposera, il repartira. Bon, bref. Donc tout ça, on peut le considérer comme des délires, dont acte, j'ai pas de problème, mais on peut dire que le monde va bouger. Et on n'a pas besoin d'être effrayé. Si ce monde bouge dans ce sens-là, eh bien, il faudrait qu'on le maîtrise. Maintenant, on a deux options. Soit on est en spectateur, au fond de la salle, on dit « il délire, donc moi je suis tranquille » jusqu'au moment où le tsunami arrive, ou on se dit « on va faire partie de la danse, on va regarder comment ça se passe, on va orienter nos enfants » vers ce type d'études, de recherches, etc., ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que ça va se passer.
Et mes délires de drone, vous allez le voir, ou on ne le verra pas nous. Nos enfants les verront. Ça sera comme ça. Juste quand vous réfléchissez, pourquoi je dois avoir l'obligation de construire un port comme ça, dans chacune des villes, lorsque je peux ramener mon bateau, déposer à distance les conteneurs qui doivent être déposés là, et continuer. Non, il faut absolument rien faire. J'attends qu'il y ait le port de dimension avec la profondeur qu'il faut, etc. Bon, j'arrête avec mes drones. Donc une vision où la consommation et la production seront étroitement liées, à travers donc et des imprimantes 3D. Là aussi, vous allez dire, c'est du futurisme. À Mid Park, vous avez depuis déjà 2 ans. Depuis déjà 2 ans, nous avons une usine qui travaille avec de l'impression 3D sur métal, qui est rare dans le monde. On l'a ici. Donc, évidemment, le commerce électronique, il est incontournable. J'avais émis un avis sur le commerce électronique qui avait été bien compris, y compris par ceux qui ne voulaient pas comprendre. Moi, je dis que le commerce électronique, c'est une transformation inéluctable. L'idée, c'est comment chaque player dans ce match mondial peut tirer ses marrons du feu. Ce ne sont pas les plus petits qui vont le tirer le mieux. Donc, il faut qu'on puisse intégrer du commerce électronique en s'asseyant, en y réfléchissant, en étant intelligent pour pouvoir en tirer profit. C'est ça mes propos. Et ce n'est pas l'OMS qui va le faire pour vous. Vous connaissez les deux personnes qui se sont rencontrées, et un qui commence à raconter ses problèmes à son ami, et l'autre l'arrête, lui dit « Attends, j'ai une question pour toi, est-ce que tu sais compter ?» Il dit « Évidemment que je sais compter. » Il dit « Tant mieux, parce que désormais, tu ne pourras compter que sur toi-même. Hein » C'est ce qui va nous arriver. Alors, donc une vision où une multitude de données relatives à nos modes et à nos habitudes de consommation seraient davantage collectées et exploitées. Il faudra, bien entendu, protéger les données personnelles. Vous savez qu'il y a tout un travail dans ce sens-là, des grands débats. Est-ce qu'on peut récupérer... Il y a eu un débat récemment sur la récupération des données par Google, des hôpitaux, de données personnelles des gens. Est-ce qu'ils ont droit ou pas droit? C'est un sujet de l'heure. Donc il faut aussi une vision dans laquelle... Allez, je vais sortir des grands termes. Le big data, l'intelligence artificielle, l'infrastructure 5G ou les objets connectés seraient encore plus intégrés dans nos modes de production et de vie. Ce n'est plus un choix. C'est là où va le monde. Donc on a le choix d'être à la table ou sur le menu. C'est comme ça que je vois les choses. Je considère que le royaume du Maroc, avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ses orientations, sa volonté que notre économie soit arrimée au monde, l'ouverture à laquelle il tient absolument, les respects que nous avons des accords que le Maroc signe avec un ensemble de pays, doit nous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité, sérieux et une nécessité, c'est le travail. On a besoin de ne pas subir ce qui se passe dans le monde et d'en faire des outils d'exécution pour nous, mais de changer de démarche et de faire partie de ce fameux banquet, d'être assis à la table, de ne manger personne, c'est pas l'objectif du Maroc, mais ce n'est pas non plus de se faire manger par des grandes puissances qui opèrent, qui orientent tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons la possibilité, lorsque nous avons réfléchi à créer une activité aéronautique au Maroc, il y avait beaucoup de sourires narquois, qui se sont petit à petit estompés, laissant place parfois à une amertume quand c'est des concurrents, à de l'admiration quand c'est des gens bienveillants. Eh bien, j'ose espérer que le royaume du Maroc continuera son chemin d'industrialisation en ne lâchant rien, absolument rien. C'est-à-dire la complexité, c'est qu'il faut travailler en même temps, et pas l'un après l'autre, sur deux domaines.
sur l'industrie d'aujourd'hui. On ne lâchera rien. Parce que la tendance, souvent on me pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait ? Faire du câblage, vous imaginez ? Oui, une petite usine de câblage, c'est 6000 emplois. Donc on ne fait pas d'après vous. Je suis désolé, ma décision est prise, on fait. On a besoin d'un spectre d'emplois à tous les niveaux, de l'ingénieur le plus sophistiqué aux manœuvres le plus débutant. Donc cette panoplie, il faut aller la chercher. Je reviens, le challenge que nous avons, c'est de travailler sur, comme je vous disais, sur deux tableaux, cette industrie qui certains considèrent qu'elle est du passé, elle est d'aujourd'hui, elle restera encore pendant un moment, même quand la technologie et les drones et tout ça rentreront en jeu. Donc il faut s'y accrocher, c'est là où il y a de l'emploi aujourd'hui, c'est là où il y a la capacité de développer davantage notre économie, sans oublier le deuxième chapitre, qui est de faire partie de ce monde en mouvance, en restructuration en profondeur, et nous avons une partie des atouts pour jouer dans cette partition notre part. Je ne dis pas, et cet objectif n'est pas d'avoir une opinion démesurée de nos capacités, mais il faut être réaliste. Nous avons, quand on sait faire avec nos ingénieurs des parties de moteurs d'avion, quand on sait faire des choses technologiquement très évoluées, j'ai vu ST Microelectronics ici, d'accord ? Donc vous faites des choses intéressantes au Maroc, j'espère qu'on fera encore plus. Voilà, donc je ne vous lâcherai pas, vous avez bien compris. Et nous sommes ravis de ce que vous faites, on sait qu'on peut faire encore plus. Et l'idée, c'est de monter en chaîne de valeur le plus haut possible. Donc on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On a encore du chemin à faire, mais nos capacités sont là et on va les exploiter à fond. Merci de m'avoir supporté si longtemps.